Donc Alain, je suis responsable de l'antenne de l'Allier, de l'association Habitat Humanisme Auvergne. Je suis salarié de la société Euro, j'ai en mécénat de compétences, c'est-à-dire je suis mis à disposition par mon ex-employeur pendant 3 ans au profit d'Habitat Humanisme. Les missions sont très vastes dans l'Allier en tant que responsable d'antenne, puisque je capte des logements, je gère des locataires, je gère des logements, je fais faire des travaux de rénovation, on accompagne les locataires, donc c'est vraiment une activité extrêmement vaste. Très intéressante, qui me motive beaucoup. J'ai travaillé pendant 39 ans en région parisienne et entre mon domicile et mon lieu de travail, dont Paris, je traverse une bonne partie de Paris. Et chaque matin, je voyais des familles, typiquement au boulevard Saint-Michel, qui étaient sur le trottoir, les enfants en train de s'habiller, de se laver. Et dans le même immeuble dans lequel ils s'abritaient dans l'entrée, il y avait des appartements vides au-dessus. Et je trouvais ça complètement dément, qu'il y ait cet écart des gens dans la rue et des appartements vides. Et donc, bon, c'est vrai qu'à titre individuel, c'est quand même compliqué de faire quelque chose. Donc, j'ai tenté de retrouver une association qui pouvait militer. Et lorsque j'ai fait mon dossier de mécénat de compétences, donc du dispositif de fin de carrière Orange, j'ai vu un appel à candidature de Habitat Humanisme pour le département de l'Allier, qui est en fait mon département de naissance et qui m'a permis de revenir dans l'Allier, à la fois pour aider les familles en difficulté, me rapprocher de mon domicile et puis avoir ce sentiment de servir à quelque chose. Moi, honnêtement, j'y tire un avantage d'abord parce que ça correspond à ce que je voulais, ce que je ne voulais plus voir dans les rues de Paris. Je trouve un réconfort parce que je pense servir à quelque chose. Et puis, ça m'a permis de revenir dans ma région. C'est vraiment un dispositif qui est absolument excellent.